Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu crash test, on va essayer ensemble quelques trucs. Donc je voulais voir si c'était possible de, pour moi en fait, de glow up en quelques heures. Et je vais vous laisser regarder la vidéo directement pour savoir si ça a été le cas ou si ça n'a pas été le cas. De toute façon là tu veux le résultat final, mais par rapport au départ faut quand même que tu aies un moyen de comparer, tu vois. Donc je te dis dès maintenant, like si la vidéo te plaît. Comme ça au moins tu peux le faire. Donc n'hésite pas à commenter si tu veux voir d'autres choses en particulier. Et abonne-toi. À toutes. Les choses réelles peuvent commencer. Donc je sais pas dans quel ordre je vais le faire clairement. Là j'ai fait des tresses parce que j'ai regardé un tutoriel. Ils ont dit qu'il fallait faire des tresses pour que ce soit bien plat. Et de toute façon comme j'ai pas le peigne chauffant, il faut que ce soit plat parce que j'ai beaucoup de cheveux. Et si je m'amuse à laisser mes gros cheveux là, ça va faire des bosses, ça va ressembler à rien. Donc faut savoir que du coup j'ai commandé, on n'est pas encore assez connus les gars pour faire des partenariats perruques, sachez-le. Donc j'ai commandé une perruque 20 pouces chez Ali Coco. Donc voilà, je suis désolée s'il y a du bruit, il y a le chien qui est juste à côté de moi et qui veut pas me lâcher. Allez, tu bouges, va-t'en, va là-bas, va jouer là-bas. Du coup je disais, c'est une perruque qui vient de chez Ali Coco, c'est une 20 pouces, elle est marron avec des reflets, donc elle a été livrée avec les wig caps. Et du coup la perruque qui est là-dedans dans un autre emballage mais que du coup je vous ai pas montré. Donc au préalable je pense qu'on va essayer de au moins mettre l'espèce de casque là, tu vois. Et après on va mettre la perruque. Donc la perruque je vais la déballer pour que vous puissiez voir. La perruque elle est marron. Donc c'est marron avec des espèces de reflets, mais il y a des reflets, t'as peur. Donc je pense que je la retoucherai un peu quand même avant. C'est pas une closure, mais du coup en fait il y a la raie qui est déjà prédéfinie au milieu. On peut pas s'amuser du coup à mettre sur le côté ou quoi, c'est obligatoirement au milieu. Mais moi ça me dérange pas en fait, je voulais vraiment essayer le fait que ce soit au milieu parce que j'ai jamais fait ça. Et du coup il y a un espèce d'élastique avec des crochets là pour pouvoir bien tenir la chose. Donc ce qu'on va faire c'est que pour le moment on va la laisser sur le côté. Et je vais faire en sorte de mettre le truc d'œuf là. Et j'espère que je pourrai l'enlever facilement après, que je vais pas avoir de problème avec mes cheveux de bébé, parce que si ça les arrache. Moi j'ai pas signé pour ça en fait. Ouah, ça coule, c'est froid. Pourquoi on m'a jamais prévenu? Genre là ma tête, elle est froide. J'ai froid dans mon crâne. Et les gars, je sais pas ce que je fais. Donc clairement, la perruque, les gars, je vais l'enfiler comme un bonnet. Appelons un chat un chat, je vais clairement l'enfiler comme un bonnet. Donc heureusement il y a les élastiques derrière, mais voyons. Ok. Bon, on va essayer de reproduire du coup le Soft Glam Makeup Tutorial 2020 de Leila Rose. C'est assez naturel mais pas trop. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Franchement, je sais vraiment pas comment je vais m'en sortir. Bon, bah déjà avant tout, j'ai pas les mêmes produits qu'elle, donc on va clairement se débrouiller comme on peut. Alors, du coup, ouais, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met du fond de teint avant et après. Non, elle met de l'anticerne avant, ensuite elle met son fond de teint. Bon, je vais faire ça, hein, tant pis. On va suivre clairement le tutoriel. J'espère que ça va envoyer. Je vais faire ça, hein, je vais faire exactement comme elle fait. Que dire. Je sais pas pourquoi on fait tous cette tête là. Tu sais, quand tu maquilles, t'as toujours des têtes assez mystiques. Genre, tu fais des. Je sais pas pourquoi on fait ça. Genre, vraiment. Bon, ensuite, bah, du coup, je vais mettre le fond de teint. Elle mélange deux fonds de teint. Moi, j'ai acheté un fond de teint récemment. C'est le Dior Backstage. Je sais pas comment les filles font pour se maquiller sans s'éparpiller et en mettre partout. Genre, à la base, moi, c'est. Enfin, genre, je mets pas tout ça. Seulement quand, quand je sors, mais les gars, confinement fait que on ne sort pas. Elle passe au maquillage des yeux. Elle prend une teinte qui est un peu orangée, marron. Elle en met uniquement là. Tu vas trop vite, tu vas trop vite ma chérie, tu vas trop vite. Doucement. Non mais c'est un sketch, moi ça ressemble pas à ça. Moi ça ressemble pas à ça. De toute façon, tu vois le maquillage, tant que c'est pas fini, tu peux pas critiquer, tu peux pas dire c'est beau ou c'est moche. J'essaie clairement de me rassurer. Ça peut donner quelque chose de bien à la fin.
Bon, vas-y, viens, on attend la fin. J'ai dit que je voulais glow up. Donc, si c'est pas un glow up à la fin, je me jette de mon balcon. Ensuite, elle met des faux cils. Les gars, là, c'est le moment pour moi de vous donner ma technique pour mettre des faux cils. Donc, ce que je fais du coup, tu vois, c'est que, par exemple, moi, j'utilise la duo, c'est la duo verte. Et je vais prendre un miroir pour pouvoir bien voir. Et en gros, je vais appliquer la colle comme si c'était un eyeliner liquide, du coup, tu vois. Genre, je l'applique vraiment au ras du cil. Mort. Elle fait un eyeliner. Pourquoi tu as pas fait ça avant? Mais les gars, je peux pas. Hein. Je peux pas m'amuser à faire un eyeliner avec la taille des cils là. Bon, j'ai tenté l'eyeliner avec les faux cils. On abandonne la mission. On va passer à autre chose. C'est le moment de révélation. Je trouve que ça fait quand même assez plat en fait. Là, faut que je vous fasse écouter ma meuf. On part sur une playlist spéciale meuf. Ce son, j'ai découvert avec TikTok. Il m'arrange ouf. Franchement, j'ai envie de me battre quand j'écoute. Je me bats. These niggas wanna fuck JT. They do. Hellcat, this a SRT. Pull up G-Wags, he's three. Make a 55 suck, day T. He wanna menage with a new body. Man, you niggas can't fuck with me. Cause I came from the bottom, from the fence to the chatter. Broke bitches ain't saying a thing. Smoking the Zaza, it goes straight to the Mata. Then I'm up in the chopper, hitting the cha-cha. Open his lata, then he dancing my chata. Smoking the Zaza, it goes straight to the Mata. Then I'm up in the chopper, hitting the cha-cha. Then I'm open his lata, then he dancing my chata. Probably say the word nigga too much. I'm a real nigga, I don't be giving a fuck. He wanna be just like baby, for real on the low, tryna do what I do, don't. Yeah. Just so you prepared, I'ma let you know. They probably told you I'm scared, but I'm ready though. No. The industry can't take the. En vrai de vrai, tu vois, au départ j'étais un peu sceptique. Mais là, j'ai l'impression que je me suis pas vraiment mal débrouillée. Peut-être que je suis folle, mais en vrai, j'ai glow up un peu. Comparé au tout départ. Rappelez-vous quand j'avais les tresses. J'ai glow up un peu. Non, en vrai, je suis contente. La perruque, elle est grave cool. Au final, je pensais que la couleur de cheveux, ça allait pas. Mais au final, fin, moi, ça me gêne pas, tu vois. Ouais, comme j'ai pas décoloré les nœuds, je pense que ça joue beaucoup. Tu vois, comme en plus, j'ai pas bien customisé la lace. Peut-être que c'est à cause de ça. Je sais pas. Mais honnêtement, je suis grave satisfaite du résultat. Et je suis mignonne, wesh. Et je suis mignonne. Venez, on va demander le résultat, monsieur. Allons-y. Là, j'ai mis une robe. Bon, calcule pas le bas, t'en penses quoi? Attends, j'allume la lumière. J'allume la lumière. Ça va, j'allume pas. T'aimes bien? Ouais. Bon, la lumière là, elle change, hein, parce que bah forcément, il y avait la ring light et compagnie de l'autre côté, mais. C'est